Le moment qu'il a choisi était parfait. Les meilleurs joueurs ont du métier. C'est pour ça qu'ils sont là. À un moment, il s'est dit que c'était sa dernière chance, sa dernière Coupe du Monde. Et donc, c'était vraiment triste de s'arrêter là-dessus. Mais on sait comment est la vie, pleine de surprises. Je suis convaincue que quand on fait bien les choses, qu'on est motivé et qu'on donne tout ce qu'on a, on peut tout à fait se surprendre soi-même. Je pense que beaucoup de gens voient Rafa Márquez comme un joueur avec son petit caractère et son audace. Celui qui est toujours capitaine, qui montre l'exemple, qui donne des ordres, qui dirige, qui râle. Mais je ne suis pas cet homme-là. Je suis marrant, je suis joyeux, je suis sympa. Je peux raconter des blagues. Je suis complètement différent. Je veux une blague. Oh, pas comme ça. J'ai pas pris mes antisèches pour m'en rappeler.